Salut les tourteaux! Alors, avec qui on va passer une soirée ce soir? Hein? After the mess? Eh ben, on va passer une soirée avec la ColecoVision! Et les puristes disent: qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est pas la ColecoVision! Eh ben, moi, je vais vous répondre: oui! Oui, les puristes, ce n'est pas la ColecoVision. C'est une réédition, la Flashback, hein? Classique Game Console. C'est une réédition de AT Games parce que j'ai pas l'original, tout simplement. Pourquoi j'ai pas l'original? Parce que dans un bon état, avec 60 jeux, ça doit coûter un bras. Alors que là, cette cochonnerie, c'est une cochonnerie, faut dire la vérité, ça m'a coûté 40 euros de case. Et encore, je trouve que c'est cher payé. Oui, pourquoi je dis tout ça? Parce que j'ai déjà fait la conclusion. Hein, parce que mon appareil photo me fait des misères. Et là, je fais l'introduction, je refais l'introduction avec mon téléphone portable. Parce que ouais, l'appareil photo, il fatigue, mais bon, en attendant, faute de mieux, le téléphone, il y a un autre souci, c'est que mon ordinateur ne le reconnaît pas. Le son, il est pourrave, donc je suis obligé de le rééchantillonner avec AVI-DMUX, et tout ça, ça me fait du boulot. Vous rendez pas compte, vous? Moi, je galère. Donc c'est pour ça que j'aimais bien mon appareil photo, mais tout le monde me dit, ouais, il fait tac, 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 tac. Je dis, quoi? Ben oui, il a mis au point. Eh, mon appareil photo, il a 8 ans, les mecs. Oh, normal. Normal, il déconne. Il a mal vieilli aussi, comme les vieilles consoles. S'il vous plaît, les amis, soyez indulgents avec moi. J'y vais progressivement. C'est ça aussi l'idée. C'est que j'ai démarré avec quasiment rien. Sauf avec mes babioles que j'avais déjà achetées, que j'avais accumulées dans mon placard, certes. Deux, trois potes qui me prêtent aussi des trucs assez sympas au fil de l'eau. Mais voilà, j'ai commencé très du tout. Donc pour le moment, c'est clair, je ne vais pas acheter le caméscope à 500 boules. Hein. Hors de question. Donc j'essaie de comprendre pourquoi la mise au point déconne. Je parle plus très loin de la ColecoVision, mais on va y venir. Et puis, si la mise au point déconne trop, je ferai les intros avec le téléphone portable. Il faut que je trouve une combine pour que j'arrive à transférer les vidéos rapidement. Parce que là, je passe par J-Drive. J'envoie la vidéo chez Google et je la récupère sur l'ordi. Enfin, c'est un casse-tête, je m'en sors pas. Et pourtant, mon métier, c'est plus ou moins informaticien, c'est ça le pire. Bref. Et pareil, on me dit que tes vidéos sont trop longues. Ben, moi, je fais pas une vidéo pour l'unboxing, une vidéo test express, une vidéo où j'explique rien parce que ça va trop vite. Après, pareil, ok, je suis un amateur, les montages, ils sont ce qu'ils sont. J'ai pas encore fait Sony Vegas, pour le moment, j'ai encore Windows Movie Maker. Pourquoi c'est pareil? J'avais à peine tourné les vidéos, je voulais tout de suite les publier parce que j'avais peur d'avoir la flemme par la suite, qu'elles allaient traîner et qu'elles allaient rester dans la carte SD. Donc j'ai dit tout de suite, mets-toi un truc simple, prends un truc légal, et puis, Windows Movie Maker, c'est un truc qui m'a venu à l'esprit. Puis maintenant, c'est la facilité. Voilà, c'est la facilité, donc les montages. Je me dis, bon, il faut vraiment te mettre un truc pro et tout, mais j'ai pas le temps, machin. Et puis comme maintenant, j'ai à peu près trouvé mes repères avec Windows Movie Maker. Enfin, trouver des repères avec Windows Movie Maker, c'est un petit peu un pléonasme. C'est comme monter en haut, il n'y a pas de repères à avoir, c'est tellement simple que bon, voilà. Mais au moins, c'est simple, ça a le mérite d'être simple. Peut-être un peu limité, certes. Bah, tous les cons là qui étaient. Oh, Movie Maker, oh là là, oh là là, oh là là. Bah, ça va, c'est bon, ça dépanne quand même. Ok? Donc, arrêtez de vous la raconter aussi. Ok? Bon, la ColecoVision. Donc, je sais pas si j'ai déjà dit, console de deuxième génération, sortie en 82 aux États-Unis, sortie en 83 en France pour concurrencer l'Atari 2600 VCS, comme vous voulez. Elle a bien démarré jusqu'en 84. Après le crash aux États-Unis du jeu vidéo, tout le monde s'est écroulé. 2 millions d'unités vendues. La résolution, c'est encore pire que la NES, qui est de troisième génération, donc ça piquera les yeux quand on va jouer. Ça va piquer les yeux. Et c'est parti pour le unboxing. Le néologisme anglophone que tout le monde se la raconte. Unboxing, déballage. Bref, déballage. Un petit manuel qui dit que la console est Shenzhen, Made in China, tout ça. Ouais, AT Games, c'est du chinois, hein, la plupart du temps. Voilà, donc, tout de suite, avant de présenter le contrôleur, la boîte, on est loin des matériaux d'origine. Hein. Donc, c'est du plastique brut. Alors là, ça, c'est terrible, quoi, plastique brut.
À mon avis, il y a un petit bout de chipset là qui se trimballe, mais un tout petit bout de chipset qui se trimballe, qui doit être avec un émulateur dedans dans la CMOS là, mais un truc vraiment merdique fait par un électricien du coin, un électronicien plutôt. Et une, à mon avis, aussi une petite ROM qui stocke les 60 jeux qui sont là-dedans. Parce que, et à force de taper dessus, heureusement que j'ai fait la vidéo avant. Bref, heureusement. Parce que ça se trouve, elle ne marchera plus. Voilà, donc un bouton reset, un bouton power. Donc là, les plugs pour les entrées pour les contrôleurs. Du RCA mono. Incroyable, mono. Ah, donc ma télé supporte. Incroyable. D'ailleurs, j'avais peur que ça marche pas. Ça marche. Okay. Les contrôleurs qui, eux, sont d'origine ou imitation d'origine. Donc avec l'espèce de pad là. C'est pas une croix directionnelle, c'est pas un potentiomètre non plus, hein. Comme la Odyssée. Mais les gens connaissent pas la Odyssée. Ça, c'est impossible à avoir. Franchement, faut déjà, avec un peu de chance, habiter aux États-Unis. Et vraiment, la Odyssée, c'est la console de collection. Je l'aurai jamais, je vous la proposerai jamais. Hein. Croyez-moi, c'est impossible à avoir. À moins qu'un fanboy me l'offre. Alors là, il faudrait trouver la télé qui va avec en plus. Donc le contrôleur. Donc le pad. Un pad numérique aussi, où il y a des touches qui sont assigné pour des fonctionnalités pendant le jeu, quoi. Où il y a des overlays. Les overlays, je sais pas comment on les met, de toute façon, nous, on va pas le faire, on s'en fout. Où justement est expliqué les fonctionnalités en fonction des jeux. Voilà, donc bah, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le déballage. Et une alimentation, bon, bah, Tienzen, hein. Mais bah, top, quoi. Hein, 2 grammes. Alors ça doit peser 3 grammes et ça 2 grammes, quoi. Le carton il est plus lourd que tout le reste, mais on va quand même s'amuser. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques petits classiques. Alors les grands classiques de la ColecoVision, c'est Donkey Kong qui n'est pas dans la compile, c'est les Schtroumpfs qui n'est pas dans la compile. Moi j'ai joué aux Schtroumpfs étant gosse. Enfin, j'avais un copain comme une ColecoVision, j'ai joué aux Schtroumpfs et je kiffais le plateforme et tout. Donkey Kong, oui j'ai déjà parlé. Shoplifter qui est dans la compile et qui est pas mal. Zaxxon qui est dans la compile et qui est pas trop mal. Des homebrew très étonnants qui sont dans la compile qui date de 2012. Donc il y a des mecs, des teams de ouf, de geeks, qui ont refait des jeux pour en émulation. Bah, pourquoi pas, oui, en émulation, peut-être, et peut-être qu'ils ont édité. Ils ont refait, peut-être reproduit des cartouches de l'époque, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a les ROM dedans, il y a deux jeux en homebrew qui déchirent. Qui déchirent, tout est relatif. Soyez indulgents. Il y a du gameplay. C'est très sympa parfois, il y a des fois on comprend rien. Je vous ai épargné tous les jeux de merde catastrophiques, mais même malgré ça, il faut être indulgent. C'est du deuxième génération, c'est à peine mieux que l'Atari, c'est moins bien que la Nintendo, que la NES. Donc voilà, ça va piquer les yeux clairement. Ok? C'est parti, on joue. Bah, c'est parti, on a tout bien branché. Donc le RCA, tout le bazar, et admirer la qualité du speaker. Quel joli son. Et donc on va commencer par ma sélection pas piquée des hannetons. Et on va commencer par Aqua Attack. Et là je dis, il va faire tout noir. Allez, c'est parti. Donc bouton gauche et start. Et donc, soyez indulgents. Hein? C'est pas terrible les graphismes, hein. Mais c'était ce qu'il y avait en 84. Hein. Et pour le coup, franchement, c'était mieux que l'Atari 2600. Certes, moins bien que la NES, hein, on est d'accord. Mais c'était vachement mieux que la 2600. La 2600 aura difficilement pu faire ça. On devine le bateau quand même. Hein. Donc moi, je suis le bateau, hein. Oui, quand même, je tiens à le préciser. Et je suis en manque de fuel. Ah vite, faut que je chope, trop tard, j'ai plus de fuel. Voilà. Deuxième jeu du menu et c'est planté. Pas de bol, allez, reset. Allez. Bon, ensuite. Ouais, parce qu'il faut quand même que je suive le fil de la sélection que j'ai fait. Parce que sinon, vraiment, ça fout les jetons. Il y a des jeux vraiment. Je tairai le nom des éditeurs. Je reprends ma petite liste, mais il y en a, ça fait peur. Ensuite, Artillery Duel. Artillery Duel, il est dans ma sélection. Allez, vendu.
J'ai un vague souvenir de ce que c'est. Apprécier la musique. Donc clairement, il y a des noms de licences qu'on ne connaît pas du tout, quoi. En fait, faut savoir que il y a 160 jeux qui ont été édités au total sur la ColecoVision, qui étaient principalement issus des jeux issus de bandes d'arcade. Alors, on va dire que je suis général. Non, caporal. Je sais pas ce que j'ai foutu. Caporal, très bien. Rang 2, ouais, je sais pas, bon bref. 170 jeux, bon bah là il y en a 60. Et bon, il y a eu quelques licences effectivement très connues issues de l'arcade, comme Donkey Kong, Zaxxon. Qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Shoplifter, hein, qui était, je vous rappelle, un jeu de Branderwood à la base sur. Je ne vais pas dire de conneries, mais c'était sur Apple II qui a été en fait réédité après sur, en bande d'arcade. Et ensuite qui a été réédité sur la ColecoVision. On y jouera tout à l'heure. Et là, donc là, c'est un petit jeu où vous voyez, vous avez l'espèce de chat, espèce de tank, je ne sais pas trop ce que c'est. Et en fait, vous devez calibrer la puissance et la puissance et l'angle afin d'orienter vos tirs pour attaquer donc l'espèce de. L'espèce d'ennemi à droite. Ben, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit zoom sur votre ennemi, voilà. Quand c'est à vous de tirer. Donc là, je ne sais plus comment on calibre tout ça. Oui, vous voyez, on rentre les paramètres. Donc après, je pense qu'il faut faire quoi? Je n'ai même plus jamais préparé ces ballons. Comme dirait Fabrice. C'est ballon. Vous avez perdu la kermesse. La valise RTL, pardon. Ouais, les jeunes, ils comprennent pas ce que je raconte, c'est normal. Ah voilà, faut appuyer sur le bouton de droite. Bon. Allez, il va se le prendre dans la tronche ou pas? Il est à côté. Voilà comment c'était les jeux. Donc je pense qu'il faut que je baisse mon powder. Vous voyez, en plus, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est le vent. Qui influera sur l'orientation de votre tir. J'aurais dû le mettre le joueur 2 en caporal. En capitaine, il aurait joué beaucoup plus rapidement. Parce que là, en fait, il semblerait qu'il y ait une intelligence artificielle qui réfléchisse pour tirer. Pour que l'ennemi tire, donc une intelligence artificielle de l'ordinateur, et donc il réfléchit comme un caporal que je suis. Donc moi, je m'en fous, c'est quoi je veux. Mais lui, du coup, il met super longtemps à réfléchir. C'était ça, les jeux des années 80, ok? Du début des années 80. Il va vite me rendre ma boule là, parce que s'il tire, on va attendre à chaque fois, chacun son tour, et lui, il va falloir que j'attende une minute qu'il tire. Je vais vite me lasser. À moins que vous savez quoi? Ah si, ça y est, quand même. J'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud. Moi, je vais le canarder tout de suite. Je sais qu'il faut que je baisse mon powder. On va baisser. Je vais le canarder tout de suite. Excusez-moi pour la prononciation. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais bon. Mais là, je vais le cartonner direct. On y croit. Même pas. Si, bim, voilà, j'ai gagné. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va passer à la suite. On va passer à un hit. Shoplifter. Voilà. Donc, qui c'est qui l'a fait? Branderwood Shoplifter. Voilà. C'est bien eux qui l'ont fait également sur la ColecoVision. Je ne savais pas. Très bien. Ah, il y a même le cheat code, voyez-vous? Bon, on s'en fout. First Sorted. Vous voyez que. Bonne maniabilité de l'hélicoptère. On fait une rotate avec le bouton droit. Une rotation, hein, faut que j'arrête de me la raconter avec mes anglicismes à deux balles. Et le but, c'est d'aller choper les petits bonhommes là, sans se faire buter par le char qui va vite nous tirer dessus. Donc on va essayer de le. Ah oui, puis il y en a deux. Ah oui, alors je crois qu'on peut tirer quand même. Ça serait pas mal. Avant qu'on ait plus de. C'est méchant lui. Voilà. Il nous tue. Il nous tue nos otages. Allez, venez les enfants. Ah, vous voyez, il y a une montagne, il veut pas. Allez, on y va. Franchement, c'est jouable à fond. L'animation de l'hélico, elle est nickel. L'animation des Gugus, pour l'avoir connue sur Apple II, elle est un peu moins fluide. Mais franchement, ça le fait. Hein. En termes de gameplay, c'est nickel.
J'ai passé des heures sur Apple 2, je vous dis pas. Sachez que ce jeu a été refait en 3D sur Android. Bah, du coup, ça n'a plus rien à voir, en fait, quelque part. La simplicité n'est plus... Le jeu est pas trop mal, hein, pour... mais bon, ça n'a plus rien à voir, finalement. C'est pas comparable. Mais... voilà. Mais sachez que la licence est encore d'actualité, quoi. Ils ont fait une réédition sur Android, qui est pas très cher, finalement. Bon, on vous fait une petite partie de Shoplifter, qui était quand même un hit sur plein de matchs, sur plein de consoles. Ah oui, je crois que je suis plein. Ah oui, il fallait rentrer à la base. Fallait rentrer à la base. Faites voir là. Est-ce qu'il va venir? Non, clairement, on est plein. Faut rentrer à la base. Donc, je crois que oui, ça a été un hit qui a été édité sur pas mal de consoles et pas mal d'ordi. Voilà, on rentre à la base. Vraiment, c'était un super jeu. Un concept novateur pour l'époque. Donc le hit ultime qui a fait décoller les ventes de la ColecoVision. Il faut savoir que c'est Donkey Kong, on l'aura pas dans la compile, là. C'est dommage. C'est lui qui a fait décoller les ventes de la ColecoVision, hein. Il faut le savoir. Ah, je ne me rappelle plus qu'il y avait l'avion. Ensuite, principalement donc Donkey Kong et Zaxxon. Vous savez bien que chaque console a un... J'ai atterri comme un manche. J'ai atterri comme une burne. Chaque console a son hit. Un sort avec son hit. Ou un hit qui fait décoller les ventes de la console. Quoi. Là, en l'occurrence, ben, c'était ça. C'était Donkey Kong. Allez, en plus, il y a une IA. Hein. Le char, il est vite. Il est intelligent, finalement. La Sega Mega Drive, c'est Sonic. La Game Boy, c'est Tetris. Et ben là, c'est Donkey Kong. Que vous ne verrez pas, mal, hélas. Bon, je vous fais une partie quand même. On va essayer d'arriver au level 2. On a fait le tour, on rentre. Et donc, ça a été réédité aussi. Réédité n'importe quoi. Sur la Master System. Qui avait quand même des graphismes. Bah vachement plus sympa, hein. La Master System, c'est une console de 3e génération, celle-ci c'est une console de 2e génération, donc voilà. Mais franchement, là je vous assure, je vous cache pas que c'est enfantin, c'est simpliste, moi ça me va, quoi. Moi je m'amuse, perso. Qu'est-ce qu'on aurait pas fait là? Je pensais que ça allait être le level 2. Moi ça m'amuse, quoi. Je m'amuse, rien m'amuse, quoi, finalement. Ah, peut-être mettre le feu à celle-ci là. C'est ça l'idée? Non, rien n'y fait. Il a peut-être fallu que j'aille à droite là. Non, je suis bloqué. Bon, les mecs là, venez m'aider. Ouais, le gameplay est nickel, quoi. Hein. Qu'est-ce que je n'aurais pas fait? Incompréhensible. Ah, j'ai fait quoi, une bombe, hein? Faut buter tout le monde, tous les chats. Faut buter lui, non? Ah, mais c'est lui qui m'a buté, quoi. Bon, allez. Je pense que c'est ça, hein. On va se mettre comme ça, là. On va essayer de tuer l'avion. Ça va être compliqué, hein. Très particulier, tout ça. Ah, y'a rien à faire, y'a pas moyen. Voilà, si, ouais, faut faire venir un chat. Ouais, ça doit être ça. Et le vilain, il tirerait là, voilà. Alors, on va faire venir. Tu vas tirer sur le baraquement, là. Mais le but, c'est pas... Si le but, c'est que... Voilà, c'était ça, l'histoire. Fallait qu'il tire... Fallait que le chat tire sur le baraquement. Moi, je pouvais pas le faire. Allez, venez, jeunes gens. I rescue you. Come on. Je sais, mes vidéos sont longues. Et alors? Je m'en fous.
Moi, j'aime bien expliquer les choses, montrer le côté rétro des trucs et m'attarder un petit peu dessus. Si c'est long, j'accélérerai, d'accord ? Bon, ben voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux encore ? What do you want ? C'est pas possible. Y aurait-il un baraquement qu'on n'aurait pas... Passer... Ah, encore un, putain. Mon fork. Bizarre, j'ai pas vu ça. Il me semblait qu'il y en avait des bombes aussi. Peut-être sur Apple 2, je sais plus. Mon char, il vient là. Bon, j'ai perdu. Si j'ai plus de vie, je m'arrête là. Game over. Next. Donc la suite, Cosmic Avenger. Universal. Ah non, mais Universal, oui, ça doit être par rapport à Avenger. Ça doit être la licence Avenger qui était détenue par Universal au niveau des films, je pense. Universal ont toujours été de temps à autre des éditeurs de jeux vidéo. Des éditeurs, pas des concepteurs. Ça fait très Avenger, alors qui sait qu'on va trouver Hulk. Ah, ça fait mal à la tête. Un shoot. Le précurseur de R-Type. Est-ce que je... Ah ouais, bon ok. Je peux envoyer des bombes. Je peux accélérer. Un truc qui me fait rire. Donc, du coup, je disais un article sur Sonic qui disait que... Bon, l'article, à mon avis, en plus, c'était pas mal, Sonic, en passant. Il disait que le mec qui a créé Sonic était le premier qui avait fait un scrolling qui accélérait. Mort de rire. Bon, certes, qui devait accélérer beaucoup, sans doute. Mais qui n'était pas un scrolling à iso-vitesse tout le long du jeu, quoi. Et en fait, vous voyez, là, clairement, j'accélère, quoi. Aussi vite que Sonic, hein. Et Defender, c'est pareil. Le tout premier shoot horizontal, ou l'un des tout premiers shoots horizontaux qui s'appelait Defender, bah, je me rappelle que ça accélérait grave, quoi, si on voulait. Bon, vous bah, voyez, mais même ça, moi, ça m'amuse. J'ai aucune difficulté à jouer une heure sur une merde pareille, moi. Vous pouvez pas comprendre. Bon. Surtout un jeu que j'ai connu à l'époque. Quand j'avais 6-7 ans, mais moi, il n'y a pas de souci. Vous savez, les souvenirs remontent à la surface. On revit l'instant de l'époque. Et vous allez me prendre pour un barge, hein, mais c'est vrai. Ah, la seule console que j'ai eue étant jeune, parce que comme mon père était trop PC, mais à un moment, il a eu un péché mignon. Et en plus, comme j'étais vraiment petit, j'ai vraiment eu une Atari VCS ou je sais pas quoi, 2600. J'ai vraiment eu cette chose-là. Pas la Coleco. Hein. Donc j'ai connu ce genre de graphisme, quoi. Franchement, c'est jouable. Hein. Je veux dire, en termes de game, je joue comme une merde, ça. Mais en termes de gameplay, il n'y a rien à dire. Le bruit fait mal à la tête. Les graphismes font mal à la tête. Là, on doit être en fond marin en plus. Ça fait genre bruit périscope lancinant qui fracasse la tête. Ouh là 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 là. Ah, puis il y a une gestion du shoot pas évidente. Hein. Mais moi, voilà. Il fait partie des jeux que j'avais sélectionnés, quand même. Parce qu'il est pas si mal que ça. Next. Frenzy. 83. Donc vous verrez, il y a des homebrew, hein. Le fameux jeu dont je vous parlais, où il y avait un scrolling en parallaxe. Ça n'était pas d'époque. Enfin, il me semble, hein, d'après ma mémoire. Parce qu'en fait, la pré-select, là, je vous l'ai fait... Quand je dis que je vous l'ai fait il y a peu, je vous l'ai fait il y a quelques temps, mais...
Il me semble que la date était super récente. Ok. Ok, je suis là, je suis petit gars là. Ok, d'accord. Ok. Et j'ai mis ça dans ma sélection. Non, parce que là, tout de suite, le gameplay, je le sens pas. Et moi, je m'attache vachement au gameplay. Robot attaque, ouais, t'es gentil, ouais. Je peux plus tirer, super, ok. C'est rouge, hein. Y a Pac-Man qui s'est incrusté dans le jeu, là. Ah ouais, pas mal, le mec qui se fait électrocuter, c'est super bien fait. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais vous dire. Ce qui me fait halluciner, c'est l'anti-aliasing, quoi. Dans tous les jeux, d'ailleurs. Ça me fait halluciner. Bon, franchement, à mon avis, c'est une erreur. Hein. Ce jeu, j'y comprends rien, il est pourri, il est injouable, j'arrive même pas, j'ai du mal à manipuler le mec. J'ai du mal à tirer où je veux. Ah, ça rebondit, ce jeu. Ouais, c'est super dur et c'est pas jouable du tout, quoi. J'ai dû me planter dans la select. En plus, c'est bizarre, on change de plateau. Donc, on change de plateau quand on change d'écran, oui, c'est normal. Mais tout à l'heure, j'ai perdu, je me suis retrouvé sur un petit... Vous voyez, là, je peux plus tirer. Donc, ça se recharge, il y a un reload, il y a quelque chose. On comprend rien, quoi. Ah, pour le coup, il n'y a pas d'indication, moi ça me saoule. Vous voyez, là j'ai changé de plateau si je ne m'abuse. J'ai même pas le temps de dire ouf, voilà, je me suis fait buter. Les jeux étaient super durs. Hein. Vous voyez, j'ai changé de. Non, mais c'est moi qui ai tué. C'est super hoche. Ouais, l'anti-aliasing, vous ne le voyez pas. Mais moi, il fait halluciner. Mais même limite, parce qu'à la base, l'anti-aliasing, c'est pour adoucir les graphismes. Donc je pense que c'est l'émulation qui a rajouté un filtre d'anti-aliasing. Je pense qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Hein. Honnêtement, je pense que... J'ai l'impression que c'est un peu fort, quoi. Ça se trouve, je parle depuis tout à l'heure. Dans le vide. Vous n'entendez même pas ce que je dis. Ça se trouve, à toujours face. Là, j'ai rien du goût, là. J'espère pas. Ouais, game over, mec. Vas-y, passe à la suite. Mineur 2049. Je m'en rappelle plus. Alors, toujours en 83. Ouais, l'anti-aliasing, faudra que je me renseigne, je vous le mettrai en incruste. Je pense qu'il n'y était pas. Hein. Comme je vous ai dit, la petite puce qu'ils ont mis, c'est pas les matériaux de la console de l'époque. Ils ont dû rajouter un petit chipset, refaire mieux au goût du jour, une micro-puce dans du plastique. Et dans le chipset, il doit y avoir la ROM qui. La ROM du BIOS. Ah si, je me souviens de ce jeu. C'est pas si mal en fait. Je l'ai même eu sur PC celui-là pour vous dire. Par contre, je me rappelle, il fallait aller à une vitesse. Et voilà. Et donc du coup, je pense que l'anti-aliasing a été implémenté en filtre comme pour tous les émulateurs qu'on connaît bien. Quoi. Je pense pas qu'il y avait d'anti-aliasing à l'époque de la ColecoVision. Bah, je peux me tromper, hein. Je me renseignerai, je vous dirai tout ça. Mais j'y crois pas. Hein. Faut pas déconner, n'empêche. C'est hoche, hein. Dommage, fromage. Eh ben, il est bien joué. Moi, je donne une bonne note à jeu, moi. Sans déconner. Bon, par contre, à l'époque, hein, c'était des shows. Hein. Et ben voilà, trop tard. Là, je vous dis direct, j'aurais pas le temps. Quoi. Parce que là, il faut faire un sans faute, c'est pas compliqué. Hein. Bon, là, je fais neuf. Impossible, j'arrive à la fin du jeu. Là, ouais, je fais vraiment de la merde. Faut faire un perfect, c'est simple. Hein. Trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. Ça va être chaud. Hein. Et on va y arriver. Chaud, hein. Il restait 3 secondes, je crois. J'ai connu sur PC, je me rappelle des toboggans. C'est le bruit des toboggans qui m'a interpellé. C'est comme ça que mon cerveau a... Mais oui, tu t'en souviens, sur PC. Le bruit horrible du toboggan. Ou de la chute, d'ailleurs, c'est pareil.
Mais je pense sur PC le speaker, le son, c'est encore pire. Et merde. Bon, c'est une partie, on passe à la suite comme d'hab. Game over, et ben c'est parti, on passe à la suite. Donc clairement, à mon avis, il n'est pas dans ma sélection, donc c'est de la merde. Oh, Epix, Present, Jumpman Junior. Jumpman Junior. J'articule pas, je dis n'importe quoi. Jumpman Junior. What is it? Epix, grand éditeur de jeux des années 80, connu pour ses Summer Games, Winter Games, California Games. Alors, Number Player 1, ouais, Speed, bah on va y aller doucement. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? 2? 2, ça marche, ouais. Ah, ok, ça me revient. On va dire que c'est un espèce de load runner. Avec un mec, mais il n'y a pas de Gugus qui vous court après. Je crois que normalement on peut sauter. Ah oui, par contre, faut orienter, sinon on saute pas. Oh là là. Bah, espèce de load runner, vite fait. Hein. Il faut aller choper les petites croix là. Oui. Par contre, à chaque fois que vous en chopez une, il y a un bout du décor qui se barre. Et il y a. Voilà. Il y a un truc qui shoot, qui vous shoot dessus avec une certaine intelligence artificielle, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on n'a pas le temps de pisser et qu'on se les prend dans la gueule. Les jeux étaient très durs, clairement. Donc, peut-être que la speed, il aurait fallu que je la mette un peu plus basse, je sais pas. Oui, vous comprenez que c'est frustrant, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'ai perdu. Hein? Ah, mais quand vous perdez, il n'y a pas le sprite qui clignote pendant 3 secondes quand vous reprenez. Hein. Ça n'existait pas à l'époque. Ah, j'ai peut-être mal démarré, pas mis les bons paramètres. Peut-être que speed 1 c'était vachement rapide, j'aurais dû mettre speed 6. Parce que la dernière fois que j'y jouais, c'était pas aussi dur. Mecha 8. Je ne sais plus, je n'ai aucune mémoire de ce jeu. En fait, je vous cache pas. Ah, 2013. Ah, bah alors ça fait partie d'un des homebrew auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Mais c'est pas celui auquel je pense, c'est pas celui à la parallaxe. En plus, je suis low batterie, je sens pas. Allez, play. Difficulté normale. Déjà normal. Quoique, comme c'est un homebrew, il y a peut-être moyen que le mec il dise bon, on va faire moins dur que les jeux de l'époque. Donc, bon scroll. Bon scroll, fluide et tout. Ah, franchement, ça va. Eh ben, c'est ce que je vous dis. Le mec, comme c'est un homebrew, il s'est dit on va la faire à la cool. Bon, j'ai une petite panne de batterie là. On va essayer de reprendre à peu près où on en était. Donc, comme je vous disais, comme c'est un homebrew, on voit bien que le mec, il s'est pas dit je vais rendre le jeu super difficile. Peut-être même qu'avec un peu de bol. La mémoire de la cartouche est plus conséquente que les cartouches d'époque. On aura peut-être une profondeur de jeu un peu plus importante. En tout cas, clairement, bah, tout ça, ça tombe bien. Par contre, les ennemis sont durs à abattre. Hein. Pas tous, mais certains. Et certains se confondent dans le décor. Quoi. Bon, ça, on n'est pas... On a beau faire du homebrew, on n'est pas proche des consoles de troisième génération quand même. Hein. Mais on sent que la profondeur du jeu, les sprites, tout ça, c'est un peu mieux brûlé. Quoi. Parce que le mec, il a 30 ans. C'est 30 ans après qu'il écrit le jeu. Quoi. Donc il a une culture du jeu vidéo, tout ça. Il s'inspire des jeux actuels ou des futurs shoots qu'on fait le bonheur des gamers, les grands shoots. Il s'est tapé un kiff de faire une adaptation de je ne sais quel. On dirait Goldorak. Hein. On dirait bien Goldorak. Mais Kaiwitch, c'est peut-être. Je sais pas. Ah, bah, ouais, tiens. Non, c'est bien. En tout cas, là, on voit bien que la profondeur de jeu est plus conséquente. Là, je vous dis ça parce que j'ai vu des boss de fin de niveau en fait.
Et on voit bien qu'il s'est pas fait chier au niveau de la difficulté, quoi. Ça aurait été un jeu fait vraiment en 1980. Je galérerais là, j'aurais déjà perdu au moins 15 fois. Parce que là, pour tout, je vous dis, des fois, je me prends un ennemi dans la gueule. Et finalement, je meurs pas aussi vite que ça, quoi. Même là, j'ai pris plein de missiles. Et je suis pas encore. Je suis encore là. Ah. Et puis il y a des super. Ah, j'ai eu un super shoot. Hein. Le boss de fin de niveau pour l'époque, moi je vous l'ai dit. Franchement, à mon avis, il n'y en avait pas comme ça à l'époque. Hein. Bon, on recommence où là? J'aimerais bien recommencer. Au moins qu'il ait le boss, quoi. C'est ça que j'aime bien dans les Homebrew fait 20 ans après. Bon, des fois il y a de la grosse merde, hein. Mais là c'est vraiment pas le cas, quoi. La musique ça va, ça fait pas mal à la tête. Vous voyez. Si ce jeu serait sorti en 83. Bah ça se trouve, mais je pense pas que c'est une réédition du jeu. Hein. Je pense vraiment que le gars il a fait le truc chez lui, quoi. Si ce jeu était sorti en 83, je pense qu'il aurait fait un carton, quoi. On vérifiera quand même, ce soir, avant de n'importe quoi. Mais K8. Je pense pas, franchement. Ouais, ça devient chaud. Pourquoi j'ai qu'un shoot? Tout à l'heure j'avais le double shoot là. Ah, faut le choper. Non. Allez, je vais tuer vite. Oh, voilà. Ah non, dès qu'on se fait abattre, dès qu'on se prend un projectile, on perd un. Ah non, ça, ça doit être l'énergie. Avant de m'attraper quand même. Je suis nul là. Mais l'énergie, je m'en fous, moi je veux du shoot. Je veux du power. C'est quoi ça? Ux. Extra. Là, il faut les choper là, les sprites. Slow, je sais pas ce que ça veut dire. X. Non. Ça n'ignore pas le shoot là. Galère, galère. Bon là il est gentil mais ça va mal finir pour moi. Voilà, c'est la bonne raison que j'ai pas le double shoot, je suis mal barré quand même. Alors, quand vraiment il fallait appuyer longtemps, 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 s'il n'y avait pas d'autofire, en tout cas là il n'y en a pas, eh ben j'ai une crampe. Clairement j'ai une crampe. Vous voyez ce que je vous disais sur le shoot, la programmation du shoot. Là j'ai pas qu'un shoot à l'écran, j'ai plusieurs sprites de shoot en simultané, heureusement. Ah, même l'explosion du boss elle est pas mal. Hein. Je pense pas qu'à l'époque c'était faisable. Donc la programmation du shoot là, elle était bien appropriée, un shoot them up, voilà quoi. Et on se dit, on sait bien que c'est voulu. La preuve, on a eu deux cas de figure. Une où il y a un sprite de shoot à l'écran simultané et une où il y en a plusieurs. Donc c'était bien pour faire chier et pour que le jeu soit super dur à l'époque. Et là, bah, le mec, comme je pense, hein, ça c'est encore une supposition, mais je pense que je ne me trompe pas. Voilà, je pense pas me planter. Le mec, là, pour le coup, il s'est dit, bon, c'est bon. Je ne vends pas mon jeu, c'est un Homebrew. Ouais. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. En normal, ça va être facile. Enfin, plus simple que les jeux de 80. Les années 80. Pardon. Bon, je fais dérouler les levels, je couperai, on verra au montage ou pas. Selon mon humeur. Et moi je dis what a feeling. Thank you.
Moi, ça m'éclate, ça. Hein, je suis bizarre, je suis fou, je suis taré. Ça m'éclate. Avec une manette un peu... Peut-être pas cette manette-là, quand même. Même la musique, je la trouve kiffante, hein, entraînante et tout. Hein. Tout à l'heure, je me foutais de la gueule du menu où il y avait un bruit atroce. Et même dans le shoot où il y avait à ce point horizontal où il y avait le sous-marin, là. Espèce de monde aquatique, où ça faisait mal à la tête. Mais là, pour tout, enfin, la musique est entraînante. Game over. Bon. Là, par contre, quand Arbour, il est à chier. Il crispe. Allez, next. Bon, Minesweeper, Imagic. Éditeur super connu, allez. Vraiment, les années 80. De mémoire à développer sur MO5, sur Ma femme couvre la porte. Elle va me péter ma vidéo. Chérie, c'est vilain. Non, mais c'est pas grave, vas-y. Ferme bien la porte. Imagic, donc je disais, ouais, qu'elle avait développé sur. On va pas dire conneries, mais en tout cas sur Amstrad, c'est sûr. Sur les consoles, c'est sûr. Donc voilà le petit jeu. Bon. J'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai sélectionné celui-là aussi, mais il y avait une raison. Voilà. Voilà, c'était ça la raison. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai toujours pas compris. C'est cet effet-là qui m'a impressionné. Ouais. On dirait espace arrière. Là, je peux vous dire que en 83, on se disait waouh. Incroyable. Et alors en plus, regardez si j'accélère, comment ça speed. Ouais, bon, j'ai ralenti tout de suite parce que ça allait trop vite. Mais clairement, c'était super rapide. Ah, quand on perd, ben voilà. Quand on perd, c'est violent. Bon, on va essayer de se refaire une séquence où il y avait le scroll là. Ah, c'est là que je comprends pas bien. À mon avis, il faut percuter une planète, en fait. Non, plutôt la battre. Pas évident de la battre, mais quand on y arrive, on va déjà être game over. Non, c'est pas ça, je comprends pas. Vous avez compris ce qui m'a impressionné, ça me fait. Hein, c'est. Parce qu'à un moment, on descend sur un sol, là, et on dirait se passe à rien. Quoi. Alors voilà, ce côté improbable du truc, c'est. À un moment, il faut comprendre comment on y arrive. Non, bah, il n'y a pas de raison particulière. Comment y arrive-t-on à ce truc? Je vais pas demander à ma femme pendant qu'elle est réveillée. Ouais, je parle de toi. Mais ça va, t'inquiète, t'as pas pété la vidéo. Rassure-toi. Ouais, elle va pas être contente si je lui demande. À mon avis, elle s'est réveillée en vite fait là. Juste le temps de boire un coup et de se recoucher. Elle dans la gueule, dans le pâté. On va pas l'embêter. Bon, hé, les enfants, on arrive à aller dans le module space arrière. Il faut pas essayer de comprendre. Hein. Pour nous écarquiller les yeux. Voir le précurseur du space arrière. Ah, mais c'est con, j'y arrive pas. Ah, yes. En fait, il faut percuter une planète, c'est ça. Faut tuer les pseudo-vaisseaux, hein, les pseudo-sprites bizarres, et percuter une planète. C'est bien ça. Et là, c'est ce que je vous dis, quoi. Le précurseur. Et vous voyez, le scrolling, l'espèce de scrolling 3D, à la vitesse où il va, vraiment, même une console de 3e génération, bon, en se concentrant, elle le ferait bien aussi, mais je ne semble pas que Space Arrière sur Sega Master System il soit. Que le scrolling soit aussi bien fait. Bon, par contre, le jeu, je pense qu'il était beaucoup plus jouable et beaucoup plus compréhensible. Mais voilà, quoi. Non, mais regardez-moi cette vitesse, quoi. Si je m'énerve et que j'accélère. Oui. Bon, je ralentis, c'est trop dur, hein, quoi, je peux dire. On accélérera tout son montage, parce qu'on a traîné avant de réussir à arriver sur cette phase de jeu.
Il y a un boss, il y a quelque chose, comment on fait? Ah, c'est ça, on comprend rien, quoi. C'est l'ennui. Comment on tue le truc là-haut, hein? Comment on fait pas? Laser, missile, il n'y a rien. Non, y a... Ah, si, il y a une petite. Il y a une petite map en bas. Je sais pas. Ouais, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, je suis remonté, je sais pas pourquoi. Tout ça n'est pas très bien logique. N'est pas très logique. Bon, ça me saoule, je comprends rien, on se tire. Princess Quest. Alors, c'est quoi ça? Ah ben tiens, c'est le même logo que le mec, enfin que la team du Café Léon Brou. Et c'est celui auquel je pense. Toujours avec une cinématique. Donc clairement, ouais, ça date pas des années 80. Quoi. Ça date pas de la Coleco. Ah, une cinématique, les mecs, vous y croyez ça? 2012, voilà. C'est ce que je vous disais. Bah, je prenais peu de risques. Vu du logo, c'était ça, quoi. Et moi, je le sais. Mais c'est Monsieur Parallax. C'est ce jeu où il y a de la Parallax. Vous allez la voir tout à l'heure. Ah, ah, il y a le shoot. Ah, ouais, d'accord, j'ai pillé. Non, le shoot, j'ai merdé. Ok. Allez, on monte. Vous avez vu la parallaxe? Vous l'avez percute ou pas? Bon, quand j'avancerai mieux, vous verrez. Ah là là, il joue mieux là, joue mieux, fais un effort. Ah, il y avait moyen, parce que normalement, j'avais moyen de créditer le level 1 quand je m'étais entraîné le soir. Ah, c'est con là, j'ai moins d'énergie que au taquet. Voilà. Je joue mal. Arrête de faire n'importe. En plus, on se fait mal quand on tombe. C'est dommage, vous ne profitez pas de la parallaxe là. En fait, le pad il merde. Je pense que d'ici 2 mois, ma Coleco flashback elle va exploser. Elle joue mal, c'est con. Bon, on va essayer d'avancer le plus loin possible. Ah, vous l'admirez la parallaxe? Je crois même qu'il y a 2 plans de parallaxe, quoi. C'est vous dire. Je sais pas trop. Oh, on dirait qu'il y a 2 scrolls. Un scroll, pardon. Plus les petits arbustes là en premier plan, là, juste à côté, au-dessus de moi. Plus au-dessus, un autre scroll. Plus le scroll principal. Ouais, on dirait qu'il y a 3 plans de parallaxe, quoi. Truc de ouf. Sur la Coleco, hein. Bon, ils sont minimalistes, d'accord. Mais quand même, quoi. Ça saute aux yeux. Quand vous serez à côté de moi, vous le verrez. Les puristes, ils percutent là-dessus. Ils comprennent, ils doivent se dire « Non, de la parallaxe sur la Coleco !» Eh ben, si. Aïe, 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 mais arrête de jouer. Joue correctement. T'as pas le droit de mal jouer avec ce jeu-là. Faut mettre en avant la Coleco. Faut convaincre les mecs qui jouent à GTA V de jouer à ça. Faut faire un effort. Vous allez voir, vous allez jouer à ça, GTA V, vous allez dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Mais faut y jouer pour pouvoir comprendre les sensations. Je vais vous faire une confidence et je comprends pas trop pourquoi. Par rapport à la NES. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis pas en Péritel. Mais en RCA, c'est moins moche. Attention, qu'est-ce que je raconte? Je m'exprime mal, je recommence. C'est pas moins moche. Ça bave moins. Et je pense que grâce au RCA, ça bave moins que Péritel. C'est pas un problème de console, on est d'accord.
Ah, la NES, ça bavait grave sur un écran Full HD. Là, ça bave pas. Ah, ça pique les yeux, les graphismes sont de moins bonne qualité. Hein. Vous avez bien compris la nuance. C'est juste une histoire de raccordement qui fait que c'est moins... Ça pique moins les yeux au niveau... Au niveau des couleurs qui qui ne bavent pas, pas du tout quoi. Là ce qui est emmerdant c'est l'anti-aliasing. Tournament de tennis. Les Magic. Que j'ai connu sur PC, que j'ai connu sur MO5. Le même graphisme, computer, ok, ce que ça dit. Les jolis petits graphismes. Mais franchement, il est jouable. Là, je joue comme une merde, mais je me rappelle. En fait, j'ai kiffé à l'époque, j'ai passé des heures. Bon, là, je joue en novice, donc c'est super long, mais je crois qu'après, c'est vachement plus rapide, quoi. Si on joue, mais ouais, voilà. C'est le genre de truc. En plus, on pouvait jouer en deux players, voilà, quoi. On y passait, mais voilà. On passait des soirées entières. Comme vous, jeune gens de 20 ans, j'aurais, je ne sais pas moi, Virtua Tennis, Street Fighter 4, bientôt le 5, pendant des heures, le samedi à boire de la bière et à vous acharner violemment sur une partie de Versus. Eh ben nous, jouons au tennis. Voilà. Ok ? Et ne nous traitez pas de vieux cons. Et pour vous dire, je me rappelle que même sur le MO5 et le TO7, il y avait le mec, l'arbitre, il disait 15-30, 15-40. Ouais, j'ai comme un pied. Bah oui, parce qu'en fait, c'était le lecteur de cassette qui disait ça. Et donc, ça s'arrêtait net. Il y avait des trucs préenregistrés, je sais pas quoi. Hein. Ah, c'était peut-être pas le lecteur de cassette qui disait ça. Parce que le temps qu'il aille récupérer les bandes au bon endroit, au bon moment, non, je pense pas que ça devait être monté en RAM quand même. Alors normalement, on pouvait orienter les coups quand même. Voilà, comme ça. Donc faut bien mettre. Ouais, c'est vachement improbable. Et là, il m'a lobé, je sais pas comment. Bon, je prends une raclée là, non? Si je ne m'abuse. Ouais, on se fait un 7. Hein. Bah, pas de 6, hein. Je pense pas qu'il est calibré sur 6. Il n'est pas calibré sur 6 jeux quand même, ne déconnez pas. Hein, vous éclatez là. Là, je vais faire le buzz, hein, rassurez-moi. Je vais faire 10 vues au moins, s'il vous plaît. Ouah, j'ai gagné un point. Ah, mais j'en ai gagné deux. J'ai pas vu. Voilà. Ça vaut pas la version TO7 et MO5, hein, moi je vous le dis. 30-40. Ah là, on dirait que c'est violent. Là. J'ai changé le bouton en fait. Après, c'est le bouton de gauche, de droite. Non, c'est de la merde. Game computer. Même ça, ça disait jeu ordinateur. Je me rappelle. Vous savez quoi? J'y jouais en centre aéré. Il y avait 5 ou 6 MO5 qui se baladaient comme ça. Qui traînaient dans une salle. J'avais quel âge? Je sais pas, j'avais 8 ans. Yes! Je suis allé à la volée, je l'ai. Surprise, je vous laisse la surprise. J'ai pas voulu aller dans le menu, c'est présélectionné pour que vous le voyez. C'est une surprise qui va vite être révélée. Voilà. Le premier shoot de la création en 3D isométrique. Je dis ça, je sais pas, mais je pense que oui. À mon avis, c'est le premier shoot en 3D isométrique. Je voulais faire un effort pour bien jouer. Mais clairement, ça bave pas. Hein. C'est pas de la péritelle quand même. Ah, c'est assez con que la démo de la NES que je vous ai faite l'autre fois, je n'ai pas pu rafistoler avec un adaptateur pour avoir le RCA. Parce que franchement, ouais. Pour vous dire, la démo que je vous ai faite sur la NES, ça me faisait trop mal aux yeux. Je disais rien. Hein. Je souffrais en soulant, en silence. Ah, c'est quand même plus... Bon allez, j'essaie de faire une partie convenable. Parce que Zaxxon, bah, il a révolutionné le genre. Fait par Sega. Mais vous le saviez tous, non?
donc qui est la version très portrait de l'arcade, bon, en moins fluide. Hein. Je ne cache pas que le scrolling quand même il est un peu pourrave. Il est pas très fluide quoi. Pas très fluide. Non, c'est moins qu'on puisse dire. On va essayer de choper le boss là, parce que j'ai perdu 2 vies bêtement. C'est de me concentrer. Au mieux éviter. Et vous voyez, on pouvait se déplacer dans une espèce de perspective. Donc c'est de la 3D, mais hein, le mot 3D veut tout vous dire et rien dire finalement. Parce qu'il y a la 3D profondeur, donc la 3D qu'on parle maintenant avec les lunettes 3D. Il y a la 3D, on va dire, temps réel, celle qui est calculée, temps réel, les jeux qu'on connaît tous. Voilà. Et il y avait la 3D isométrique, on appelait ça, qui est une forme de perspective finalement. Comme vous pouvez le voir, on a connu ça aussi sur Paperboy, sur Cadaver, qui sont des jeux qui n'ont rien à voir hein, finalement. Mais voilà, c'est pour situer un petit peu le genre de jeu, le genre de représentation graphique. Voilà. C'est pas de la 3D où j'ai le missile qui va me chatouiller les oreilles. Hein. Qu'on se comprenne bien. Et voilà le boss du premier niveau. Donc j'ai été super nul, je suis étonné que. Ah, game over, c'est con. J'aurais dû me concentrer, je voulais la battre. Au moins pour le plaisir d'arriver au deuxième level. Bon, alors on se refait une petite partie, hein, c'est le dernier. Après, je vous épargne. Je vous ai mis que les jeux supportables. Alors, par contre, quand il y a game over, j'ai un mal fou. Soit c'est planté, à chaque fois. Je vais vous montrer le boss. Je vais essayer de l'esquinter pour vous montrer le level 2. Patience, patience, mes amis. Votre calvaire touche à sa fin. Ah, il y a un truc qui fait mal à la tête. Hein. C'est le son, quoi. En fait, en fonction de la hauteur, vous voyez, ça fait moins mal à la tête. C'est plus supportable. Bon, je me concentre, je joue super bien, d'accord? Au cas où je coupe la première partie au montage. Faut savoir que Sega, avant de faire la Master System, et d'ailleurs la marque 1, marque 2, marque 3, qui sont les grandes sœurs de la Master System, qu'on ne connaît pas hein, en Europe. Eh ben, c'était des gros éditeurs de jeux vidéo, de bandes d'arcade. Donc, ils avaient fait Zaxxon. Voilà. À l'époque, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre, finalement. Je ne me rappelle plus. Zaxxon, qui a été refait sur Android il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans, je crois. Ouais, qui est particulier. Mais bon, s'il ne coûte pas trop cher... Je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Moi, je l'ai acheté à l'époque. À l'époque, pas en 83. Hein. Je parle de la version Android. J'ai dû l'acheter 99 centimes. Ça vaut le coup. Mais bon, c'est pour les fans du premier opus, évidemment. Comme moi, qui l'ai aussi eu sur PC. On recommence pas depuis le début. Hein. Non, je ne pense pas. Nous arrivons in the city. On passe la muraille. On est dans la T6. C'est mon pas de caripé là. J'ai une crampe au doigt aussi. J'ai plus qu'une crampe. Pas que sur le bouton de feu. J'ai aussi une crampe. Non mais je peux plus là. Allez, essaye de la battre. Et si je tire sur l'autre truc, j'ai pas un truc plus violent hein. Non. Ah, c'est vrai qu'on. Amy, il n'y a pas le sprite qui clignote pendant 3-4 secondes en attendant qu'on se remette dans le jeu. Là. C'est sans pitié, ça. Ouais, mais j'y arriverai pas. C'est trop dur, beaucoup trop dur. Non, mais je sais pas comment ils font. Je sais pas. Bon. Ça va marcher là. C'est quand même. Donc
ce produit, ColecoVision Flashback. Classic Game, 60 jeux en là, 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 là. Alors que j'ai regardé avant de faire la conclusion les prix. Que ce soit Amazon, Price Minister, que ce soit. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre, eBay, tout ça. Il y a des fois, c'est n'importe quoi. Hein. Il y a du 190 €. Là, là, là. Même cette merde qui a été rééditée, pour moi, c'est une merde. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Même ces trucs réédités, qui n'est pas du tout un objet de collection, il y a des prix vraiment tout et n'importe quoi. Donc, moi, j'avais acheté deux cases à 40 €. Heureusement, c'était de l'occasion. Mais j'ai vu des trucs neufs. Il joue sur le côté collection. Ils disent pas que c'est la ColecoVision. Ils disent pas que c'est la ColecoVision de 2014, hein, qui a été réédité, qui a une vulgaire boîte en plastique toute pourrie, improbable, qui déconne, qui bug avec 60 jeux. Il y a un émulateur, une ROM, un bout de chipset et on terminé. Terminé. Franchement, c'est moyen. Donc, si vous l'avez à 20 € et vraiment que vous voulez découvrir la ColecoVision, ben, prenez-le. Mais même 40 €, je trouve que c'est limite le prix que je l'ai acheté. Donc, bon. J'ai retrouvé Shoplifter, j'ai retrouvé Zaxxon. Il y a eu les deux Homebrew qui m'ont interpellé. Mais voilà, je veux dire, franchement, autant faire de l'émulation. Autant faire de l'émulation sur le PC. Parce que c'est pas le plaisir de retrouver le contrôleur d'époque qui ravive la flamme, une vieille nostalgie, quelle qu'elle soit. C'est pas possible, le contrôleur. C'était de la merde, de toute façon, à l'époque. Ça reste de la merde maintenant. Donc les sensations, elles sont pas là. C'est quand même, tu chopes la crampe. Le souvenir de la crampe qu'on chopait, elle est là. C'est pas propre, on s'en fout. Autant faire d'émulation, si vraiment vous voulez découvrir la Coleco, faites de l'émulation sur votre PC, sur votre tablette, n'importe quoi, avec un pad ou le clavier. Par contre, les collectionneurs, voilà, de toute façon, les collectionneurs, j'ai rien à leur dire. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent très bien où ils vont aller, ils vont récupérer la ColecoVision, la vraie. Voilà. Donc, ben voilà, j'espère que vous avez quand même été néanmoins content de voir un petit peu comment c'était les jeux dans les années 80, début 80. Les jeunes, c'est sûr que ça vous paraît bizarre. N'empêche que nous, au même titre que vous passez des soirées de ouf sur GTA V, et ben nous, on passait des soirées de ouf sur le tennis tournament, par exemple. J'espère que vous avez toujours autant de plaisir à découvrir les différentes vidéos que je vous propose. Donc, pouce bleu si vous aimez. Pour les petits nouveaux qui viennent de me découvrir, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Salut les tourteaux. Oh là 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 là